Bon, salut, c'est Akko. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Mario 3D World 64, une ROM hack de Super Mario 64. Je sais pas du tout ce qui nous attend à l'intérieur, hein. J'ai jamais lancé la ROM, c'est la première fois. Let's go. Eh, vous voulez un détail inutile? Non? Eh ben, je vous le dis quand même. J'enregistre actuellement cette vidéo à 5h30 du matin pour cause d'insomnie. Donc, si vous faites des insomnies, faites des vidéos. Ça ne change rien pour l'instant, le jeu pour l'instant est identique au jeu de base. Ah, on peut choisir entre Mario, Luigi, Toad, Peach et... Oh, on va prendre Harmony. Ok, je suis Harmony, qu'est-ce qu'il y a? Regardez comment elle court. Mais ça change quoi de jouer eux? Bon, me revoilà. Nous revoilà repartis sur le jeu. Ma manette de PS4 est complètement pétée. Enfin, pété, elle fonctionne pas bien en fait sur l'émulateur. Du coup, je suis sur une manette de GameCube, voilà, pour un jeu de Nintendo 64, tout est logique. Du coup, bon, il y a moyen que vous entendiez le gros bouton de la manette, hein, le... Et du coup, bah, désolé. Alors, j'ai regardé sur la description de la ROM, apparemment, selon les personnages que tu prends, t'as différentes compétences. Apparemment, Harmony peut faire un spin en l'air. Je sais pas comment on fait ça. Je crois que c'est là où, si tu prends le raccourci, la tortue, elle dit que tu triches, que t'as triché pour la course. Bon, dans le doute, je vais pas le prendre. Non ! Putain ! Pourquoi faut que je rate des sauts à la con comme ça ? Bon, du coup, on a perdu, hein. Mais, attendez, c'est ultra compliqué de jouer à la manette de GameCube en fait sans jeu de 64. Bon, attendez, moi je veux savoir déjà comment on fait les... Oh! Oh! Attendez! What? Trop bien! Attendez, si je fais ça en l'air, enfin genre en plein milieu du vide, parce que ça va être utile. Wouah! Trop bien! Oh, c'est trop bien de faire un saut comme... Bon, ça sert à pas à grand chose, mais au moins c'est sympa quoi. Ça peut faciliter des sauts, je suppose. Allez! Cette fois, on gagne cette course. J'ai évité de faire trop de long jump parce que à chaque fois que j'en fais, je me rate et au final, je me retrouve dans le néant. Hop, 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 hop. Ah, je viens de me rappeler d'un truc d'ailleurs. En fait, on peut prendre le raccourci, je crois. Parce que c'est que la course contre la mer pingouin dans le monde de glace là qui. Où elle dit que tu triches si tu prends le raccourci. Waouh, you're really fast, Mother Fu. J'arrête. On le récupère grâce à ce saut. Ah non, je voulais faire la toupie en l'air avant. Et bien après Rosalina, nous allons prendre Luigi du coup. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, Luigi peut sauter très haut, mais il est très slippery. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, je vois pas vraiment de différence. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis aveugle. Enfin, c'est même sûrement le cas. Mais moi, je vois pas de différence notable. Ah non! Ok, 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 mais je suis pas mort, moi. Ok, ah oui, le roi Twomp. Coup de cul! Non, mais quoi? Mais sérieux, ils sont chiants à faire ça. Ok, bon, Luigi, du coup, on n'aura pas vu d'énormes différences avec lui, hein. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas vus. Vous les avez peut-être remarqué, mais moi, pas du tout. Boum! C'était une étoile rapide cette fois-ci. Alors, combien de personnages il nous reste à faire? Il nous reste Toad et Peach à tester. Putain, ça va être une vidéo très courte. Alors, attendez, qu'est-ce que fait Toad comme effet? Alors, Toad, il est rapide, mais il saute pas haut. Ah, ok, très bien. Waouh, en effet, là, en termes de vitesse, par contre, je remarque un peu la différence. Waouh, regardez! C'est Naruto le truc! Sasuke, j'arrive! Oh là là, et par contre, ça contrôle, il est. Oh non! Ok, alors là, par contre, cette étoile à faire, elle va être ultra compliquée. Alors, vous le voyez pas, parce que... Enfin, ça se voit pas parce que vous jouez pas. Mais Toad, pour se retourner, il est ultra, ultra... Regardez. Je vais vouloir me retourner pour regarder vers moi. Bon, au moment où je dis ça, il le fait du premier coup, mais... Je sais pas, c'est trop bizarre. Des fois, on dirait un tractopelle, quoi, qui essaye de se retourner. Mais putain, mais je suis con à ce point. Apparemment. Ok, attendez. Qu'est-ce qu'il touait? Ok. Oh, oh. Oh, ah. Ok, alors là, monter avec Toad ici, ça va être sûrement très compliqué. Ok, bah voilà. On fait le niveau de la neige pour le défi avec Peach. Alors, qu'est-ce que Peach peut faire? Oh, Peach, dans cette ROM hack, elle peut faire comme sur Smash Bros. Elle peut voler un peu en l'air. Oh, oui! Waouh, elle vole pas mal en plus, hein. Wata! Nous allons aller par là parce que j'ai envie de me balader. Oh, il y a bonhomme de neige chiant là.
Ok, donc là normalement là-bas, tout ce qu'on a à faire c'est de voler et on pourra passer. Je sais plus ce qu'il y a là-bas, mais normalement on peut quand même passer. Eh, du coup, dans le jeu, tu peux sauver Peach en jouant Peach. Ah ah! J'imagine bien la cinématique de fin. Bonjour, je suis toi. Mais tu es moi? Oui, c'est ce que je viens de dire. Oh, attendez, au lieu de se faire chier ici, sur le pont, on peut pas faire ça, attendez. Non, presque! Bon, écoutez, je pense que je vais me suicider, ça ira plus vite. Le suicide n'est pas une solution, les enfants. Sauf dans Mario 64, évidemment. On va faire l'étoile la plus simple, comme ça au moins on termine cette vidéo avec une étoile. What? Doucement, 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 doucement. Le passage. Non, j'ai raté le. Non! Miséricorde! Bon, on va se contenter de faire lui. Viens là, toi. J'essaie de lui foutre des baffes là. Est-ce que je peux voler avec lui dans les mains? Non, je peux pas. Je te ramène à ta maman. Viens là! Je voulais le rattraper, j'ai foutu un gros coup de poing dans le mur, tu sais, genre. Viens là! Peach a des pouvoirs télékinésiques, regardez. Elle ne le touche pas. Et pourtant, il vole! Tenez, madame. Bon, et bien voilà. Nous avons fait un test de tous les personnages de la ROM hack. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner. Au revoir!